La communauté internationale s'est exprimée suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Certains ont réitéré un engagement à la politique d'une seule Chine, qui reconnaît Taïwan en tant que partie de la Chine. Le ministre des Affaires étrangères par intérim du Timor oriental a rappelé l'amitié du pays avec la Chine en déclarant qu'il soutenait la politique d'une seule Chine. L'assistant au secrétaire général de la Ligue arabe a indiqué que le bloc soutenait les efforts de la Chine pour maintenir sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a exprimé ses inquiétudes quant à la situation changeante dans le détroit de Taïwan. Il a exhorté les pays à appuyer le principe de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays. Le ministère cubain des Affaires étrangères a condamné les États-Unis pour le contact à haut niveau avec Taïwan. Il a qualifié la démarche de provocatrice et de déstabilisante. Le Venezuela s'est fait l'écho de ces propos, ajoutant qu'il y avait une menace à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine.